Daouda, bienvenue à VA. Merci. Déjà, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as signé au VAFC? On sait que tu es prêté par Southampton, mais c'est ça. Voilà, quand on t'a parlé du VAFC, quelle a été ta réaction? Franchement, ça. En fait, ils m'ont montré le projet, ça m'a plu. Et il fallait que je passe un cap pour jouer en pro, etc. Et je trouve que la nationale, c'est un bon petit projet. C'est un bon championnat, donc j'ai choisi VAFC. Raconte-moi un peu ton parcours avant d'arriver ici. Comment ton parcours de formation, ce qui s'est passé? Je suis arrivé à Nice en juillet 2021, ouais. À mes 14 ans exactement. J'ai fait ma première année U17. Je suis vite monté avec les U19 et la réserve, c'était un petit peu mélangé. Dans la même année, j'ai goûté au pro, à mes premiers entraînements. J'avais 15 ans. Et à mes 16 ans, j'ai signé pro en octobre 2022. J'ai joué en Coupe de France la saison dernière. Mm-hmm. Et j'ai fait ma première apparition en Ligue 1 la saison dernière aussi. Lors de la dernière journée, hein, c'était ça? C'est ça, exactement. Ouais. Et voilà. Et du coup, ça faisait longtemps que j'étais avec les pros. Il fallait que je joue un peu plus. Je n'avais pas l'opportunité de jouer à Nice, c'était compliqué un petit peu. Donc voilà un petit peu mon parcours. C'est pour ça que tu es ici en national. Voilà, ici. Qu'est-ce que tu connais, toi, du championnat national? Je connais à peu près toutes les équipes. Je sais que c'est un bon championnat. Après, jusqu'à maintenant, je ne m'étais pas trop intéressé à ça, mais maintenant... C'est parti. C'est quoi ton poste précis et les autres postes auxquels tu peux jouer aussi? Milieu central, relayeur. Ça veut dire quoi? Plutôt profil box-to-box? C'est ça, ouais. Profil box-to-box surtout. Ouais. Après, je peux jouer aussi sur le côté. J'aime bien ailier gauche et voilà, à peu près mes deux postes. Bon, tu arrives dans une équipe qui est en forme, deux ouais. victoires en deux matchs, qui a bien lancé son championnat. Ouais. Comment se passe l'intégration? Franchement, ça va, ils m'ont bien intégré. J'ai vu, ils sont sympas, on rigole bien ensemble. J'en connaissais déjà un, Joachim Kaysanda, et non, tranquille, ils m'ont bien intégré. Tout s'est bien passé. L'adversaire de vendredi, c'est Châteauroux. Ouais. Vous pouvez enchaîner une troisième victoire d'affilée et continuer ce bon début de saison. Quels ont été un peu les mots d'ordre à l'entraînement cette semaine? J'ai vu qu'ils étaient directs dedans. Ça blague pas, championnat direct. J'espère qu'on va gagner à la maison en plus. On a tout pour gagner, on sera en forme pour affronter Châteauroux. T'as hâte de découvrir le stade du Hainaut? J'ai hâte. Ouais. Ouais. Comment tu le trouves? Je le trouve grand. J'ai regardé le dernier match, j'ai vu qu'il y avait du monde un petit peu, il y a de l'ambiance. Donc c'est pas mal, c'est parfait. Merci beaucoup Daouda. Merci à vous.